prends des bâtons. Gauche. Dis-moi que tu aimes les ménèzes, Julien. Arrivé à la tête au vent, bien nommé, on récupère un tout petit peu de vent, et puis la flégère, il n'y a aucun vent, voilà, et quelques petites taches de neige sur les aiguilles rouges. Allez, une petite vidéo de descente, toujours sympa. Et monsieur coupe les chemins, il détruit les chemins. Oui, c'est le torrent ça, c'est pas une trace. Et ça plonge sur Argentière. Un petit peu raide là, les échelles. Et on arrive sur la forêt. C'est un peu technique. Fini pour les échelles. Ouais, là maintenant c'est court. Une belle aiguille de gneiss devant nous. Et là, on rejoint les mélèzes orange fluo. On est bien à l'abri du vent en forêt. On arrive au sommet de l'aiguille des Posettes. Voilà. Il y a un tout petit peu de vent à nouveau, mais c'est pas méchant. C'est parti pour une petite crête bien sympathique jusqu'au col des Posettes. Ok. Le hors-sentier, c'est la vie. Une belle descente bien rapide sur le village du Tour. Alors nous voici sur le petit balcon nord, ça file, on retourne vers Argentière, puis Chamonix. Bon, on va même pouvoir sortir la casquette. Hop, et une micro-pluie, avec le soleil.
Voilà, nous sommes dans les alpages du Lavanchier, le dernier village avant d'arriver dans la plaine de Chamonix. Et on a le petit soleil qui nous accompagne, si c'est pas du bonheur. Alors que le Mont Blanc est encore un peu dans la crasse, les aiguilles aussi. Ouais. La boucle est bouclée et on a la petite carte postale avec les drues et puis les aiguilles de Chamonix. Incroyable.